Donc cette astuce pour cette semaine-ci, c'est une astuce qui te demande de poser un regard honnête sur toi-même, mais surtout avec de la compassion et de la bienveillance. Hey, good morning, Internet! Alors, c'est parti pour l'astuce numéro 3. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, nous sommes dans une série de vidéos sur le regard des autres et chaque lundi matin, je partage une astuce pour t'aider à mieux vivre avec le regard des autres. Parce que malheureusement, on ne peut pas vivre sans le regard des autres. Les autres sont là et les autres ont leur cheminement. C'est-à-dire qu'une personne qui a atteint un certain niveau de maturité et qui s'accepte comme elle est, a tendance à plus accepter les autres. Une personne qui se juge elle-même tout le temps et est tout le temps complexée par qui elle est, a tendance à complexer les autres parce que voilà, c'est une dynamique en fait. Alors aujourd'hui, l'astuce numéro 3 est la suivante. Il faut accepter, assumer et affirmer qui on est. Nous sommes tous différents. Et quand je dis différent, j'induis imparfait. Parce que le cadre dans lequel on te met peut te rendre parfait ou imparfait. Je me rappelle que l'année dernière, j'ai eu un coaché qui était une personne qui avait une propension très naturelle à identifier les choses négatives. Du coup, ça lui faisait du mal dans sa vie parce qu'il voyait du négatif chez les gens, il voyait du négatif chez lui, il voyait du négatif. Et je lui ai dit, mais tu sais que tes défauts peuvent te servir. Il a dit, comment c'est possible? Je lui ai dit, mais il y a des boulots où on a besoin de quelqu'un qui va justement voir par où ça peut coincer. Dans le développement web, application, tout ça, il y a des gens qui font ça. Ils testent les trucs. Je vais aller voir le truc qui ne marche pas. Et ils fouillent, et pas, j'ai trouvé un truc. Et on est content qu'il ait trouvé ce truc-là. Parce que le cadre lui permet d'être utile via cette compétence-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, à un moment dans ta vie, tu dois accepter qui tu es. Le véritable problème, comme on le sait, ce n'est pas le regard des autres, c'est notre regard sur nous-mêmes. Et donc, généralement, quand le regard de quelqu'un te touche, c'est parce qu'il se pose sur quelque chose que tu n'as pas accepté. Quelqu'un peut te dire « Oh, je m'aime pas physiquement, je m'aime pas machin. » Tu travailles avec cette même personne pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, elle va te dire « C'est vrai que j'aime mes mains. C'est vrai que j'aime mes cheveux. C'est vrai que j'aime mes sourcils. C'est vrai que j'aime mes dents. » Et donc, si à la même personne, tu demandes « Et si quelqu'un se moque de tes cheveux ?» Bah, la personne te dit « Bah, je n'ai rien à faire. Moi, j'aime mes cheveux. » De cette façon, tu comprends en fait que c'est ce qu'on aime, qu'on assume et qu'on accepte chez nous qui nous permet de nous affirmer. Et qu'importe ce que les gens pensent de ce qu'on accepte et qu'on assume, on s'est affirmé, c'est comme ça. Donc, il est temps maintenant de faire le point sur qui tu es, savoir quelles sont tes lacunes, savoir quelles sont tes carences et les assumer en fait. Et si vous citez un passage biblique, attention, il y a un passage biblique, donc ça c'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et moi je trouve cette phrase tellement riche de sens. Parce qu'en fait, quand tu es dans la vérité, tu es dans la gestion parfaite de ton énergie. C'est pas toujours agréable, c'est parfois inconfortable, mais une fois que tu es dans la vérité en fait. On te demande, tu connais la réponse à cette question? Tu cherches en toi, tu ne la trouves pas. Tu dis non, je ne la connais pas. Ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'effort à faire. Donc cette astuce pour cette semaine-ci, c'est une astuce qui te demande de poser un regard honnête sur toi-même, mais surtout avec de la compassion et de la bienveillance. Le genre de regard qu'on pose sur son propre enfant ou sur un enfant qu'on aime. Un enfant qui te dit par exemple, « Oui, mais maman, moi, je ne suis pas assez grande taille. » Tu lui dis, mais c'est pas grave, c'est génial d'être comme tu es, t'as pas besoin d'être grand. Qui t'a dit que t'avais besoin d'être grand? Tu as besoin d'être comme tu es. Tu vois, t'es capable de le dire à quelqu'un que t'aimes. Il faut que tu sois capable de le dire à toi. Et une fois que tu seras capable de le dire à toi, qu'importe qui viendra te pointer un de tes défauts, tu seras déjà au courant et tu l'auras déjà accepté. Donc ce ne sera plus un problème. J'avais également eu un coaching avec un jeune. C'est sa maman qui lui a pris le coaching parce que justement, il y avait du harcèlement à l'école et tout ça, et on le charriait sur un aspect physique. Et je lui ai dit, mais arrête de vouloir être autre chose. Affirme qui tu es. Dès que quelqu'un te dit, ah, t'as ça? Dis, bah, je suis fier d'avoir ça. Dès lors où tu seras dans la fierté d'être qui tu es, ça y est, tu seras libre. Et les personnes qui voudront
profiter de certains aspects, ben, ils ne pourront plus parce que tu l'assumeras, tu l'affirmeras. C'est comme un accent, par exemple. Il y en a qui ont honte de leur accent, il y en a qui en sont fiers. Où est la différence? La différence est dans l'acceptation et l'affirmation de soi. C'est pas le regard des autres le problème, c'est ton regard sur toi-même. Alors il est temps de poser, d'écrire qui tu es et d'accepter qui tu es. Une fois que tu acceptes qui tu es, tu l'affirmes. Ce que je sais, je sais. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Ce que je suis, je suis. Ce que je ne suis pas, je ne suis pas. Mais je suis moi. Et il y a une chose qui est très importante à comprendre. Être imparfait, ce n'est pas être inutile, sinon on serait tous inutiles. Passe une excellente, une merveilleuse, une fantastique semaine. C'était Sudéi et je te dis à lundi prochain pour l'astuce numéro 4.